Alors, oh, Jet, nous avons Jet, Birdo et Mascas qui ne veulent pas partir. On va prendre un petit tuyau. Comme ça, vous pourrez voir. Hop. Vas-y, Blaze, je t'en prie. Où es-tu, Blaze? On va parler à Monsieur Mascas. Quiz tout personnage. Celui qui obtient le meilleur score mange. Je pense que ça, on peut gagner. Vous savez qui je suis? Je suis pas très célèbre, mais je charme pas. Des fois, je suis un juge ou même un invité. Il faut connaître les personnages secondaires aussi. Allons-y. Avec ma grande connaissance des personnages, je pense pouvoir gagner ce prix. Le personnage secondaire de Mario et Sonic. Alors, Sonic, c'est pas sûr, mais Mario, je pense que ça devrait aller. Voyons voir. Si personnage secondaire, vous entendez Tails, oui, ça peut aller aussi. Sais-tu ce que Cream peut faire avec ses oreilles? Ah bah, voler, je suppose pas. Attendez, c'est qui peut voler avec ses oreilles? C'est Tails, pas Cream. Si, elle peut voler aussi. On dit qu'elle peut voler avec ses oreilles. Ça a l'air assez cool. Bah, Tails, ah non, Tails peut voler avec sa queue. N'importe quoi. Sais-tu ce que les Chao aiment manger? Je sais plus, les fruits, je crois. Je crois que j'avais vu ça dans une vidéo, on l'avait dit, et je sais bien les fruits. Ils aiment la noix de coco également. Et il faudrait un truc sur Mario quoi, franchement. Est-ce que tu sais lequel de ces personnages a une carapace sur le dos? Bah là qui tue. Si c'est pas ça, est-ce que aussi non? Non, apparemment non. La guilue, bien sûr, les autres n'ont pas de carapace car ce ne sont pas des Koopas. Ah, parce qu'il n'y a que les Koopas dans votre monde qui ont des carapaces. Vous avez fait un sens pas très doué dans les personnages secondaires. Comme je l'avais dit. Aucune vignette pour les autres. Quelle popularité, vous connaissez tout le monde, serais-je célèbre un jour? Si je vous donne des vignettes, je pourrais faire partie de votre groupe. Mais oui, Mascas, viens avec nous et gagne le jeu. Ouh, mais nous avons gagné. Enfin, peut-être pas. Tout peut se passer avec point d'interrogation. Bah voilà, comme je le disais, tout peut se passer. Ça m'est déjà arrivé. Voilà pourquoi il faut prendre les points d'interrogation en premier. Je déteste les points d'interrogation. Totalement. Ah, c'est l'heure de la compète. Il est minuit déjà. Il fait nuit, il doit être minuit, oui, parce que dans ce monde, quand il fait nuit, il est minuit. C'est donc l'heure de la compète. Les épreuves du soir ont l'air intéressantes, mademoiselle Blaze. Alors, moi j'ai envie de faire des épreuves rêves, j'ai dit, donc on va prendre des épreuves rêves, parce que c'est trop cool. Il faut rêver dans la vie. Voler au-dessus des îles, là, ce n'est pas du tout une référence à Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres sur... pas de Londres. Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver sur Nintendo DS. Ceux qui ont joué comprendront. Et pour les autres, ben, on est sur des îles qui volent un moment. Ouh. Aïe. Mais attendez, cette chanson me dit un petit truc. Aïe. Cette chanson me dit un air de Mario Galaxy, alors peut-être que c'est moi. Elle me dit un truc de Mario Galaxy. Mais Peach, attends, tu vas pas me taper quand même, je suis ton ami, je te rappelle. Hein. Un petit peu. Ouh, super ça, activé. Je vais tous vous tuer. Me venger de toutes ces fois où vous m'avez. Presque à la victoire, nous pouvons encore gagner. Non.
attente de Anne, cette carapace aura causé notre perte. Mais bon, c'est pas mal de dire. Même si Blade n'a pas l'air très contente, peut-être, mais. Ouais. Tu peux aussi lancer des carapaces vers l'arrière. Tu peux aussi lancer des carapaces pour le retirer un moment. Ah, je ne savais pas que je ne pouvais le lancer vers l'arrière. Même si la dernière fois, je crois que j'ai dit la même chose aussi. La fois qu'on avait fait ce jeu. Donc, techniquement, je le sais. Ah, nous avons quand même 3 vignettes. C'est quand même pas mal, sachant que le monsieur nous l'a volé toute. Nous l'a volé toute, c'est du français, je vous assure. Et voilà Bowser Jr. qui prend la tête. Non mais c'est hors de question. Un masque bleu, je veux le masque bleu. J'aime bien le masque bleu moi. Il est cool, je trouve. Monsieur le masque bleu. Non mais je vais pas parler au mot ciao moi. Hors de question. Non, j'ai activé le jeu bonus de mot ciao. Non, c'est pas juste. Quiz sur l'Angleterre. Oh, je sais pas. Hein. Je suis très forte en Angleterre. Hein. Savez-vous de l'Angleterre? Vous êtes à Londres, mais quand même, son histoire est longue. Ah, on va faire de l'histoire de l'Angleterre. Ben, je sais pas. Hein. Franchement, je doute être très forte sur l'histoire de l'Angleterre. Voyons voir. Le crayon et la gomme ont été inventés en Angleterre, mais quel autre objet? Moi je dirais le stylo plume. Parce que en anglais, le pen friend c'est le correspondant. Wow. Trop fort. Je sais pas qu'est-ce que c'était cette intuition, mais c'était le stylo plume. Quel est l'instrument de musique écossais par excellence? Bah, c'est simple, c'est la cornemuse. J'en suis sûre. L'herbe sifflante. D'accord. La grande cornemuse des Islandes est plus forte que d'autres cornemuses. Les Islandes, bah déjà rien que le nom. Oh, île. Il y a une maison pour le dire encore pourquoi. Bah parce que c'est la plus grande maison. Non, c'est pas ça. C'est la plus vieille à mon avis. Bah c'est la plus petite. D'accord, je sais pas trop. J'ai pas trop lu déjà. Hein. Bah c'était pas. Non, c'est Bowser Junior qui a gagné encore lui. Ah bah là je crois qu'il a gagné peut-être. C'est pas très bien tout ça. Oui. Je suis désolée, mais je savais pas que c'était la plus petite. Il a presque gagné Bowser Junior. Il faut le ralentir. Une vignette. Il ne faut plus que Bowser Jr. gagne quoi que ce soit. Red! Je veux parler à Red, mon ami. Enfin, c'est pas trop mon ami, mais je vais lui parler quand même. Parce qu'elle a été sympa de temps en temps. Toujours en train de collectionner des vignettes, parce que ben, moi, c'est les trésors. Un petit tuyau. J'ai vu que quelqu'un avait des vignettes dans Hyde Park un peu plus tôt. Ben, je voulais un jeu bonus avec Red, moi. Poussez-vous! Et poussez-vous quoi? Parle à toi, Adette, c'est des grandes barres. Collecte, choc des. Ramasse le plus de pièces pour l'emporter. Londres est un centre financier et les riches du monde entier viennent ici. Ah bon, je sais pas. Situé de cette ville, une cible idéale pour les criminels. De transporter des pièces précieuses, plus des pièces. Et certaines personnes m'ont pourchassé. J'ai fini par toutes les faire tomber. Ces voleurs se servent de iris. Pouvez-vous m'aider à les récupérer moi les iris? Bien sûr, Todd. Adette. non, c'est pas toi, Adette. En plus, c'est même pas. C'est un Todd normal. Wouh! Et ben voilà, en vrai, ça t'apprendra à pas venir avec moi. Moi, j'ai plein de trésors maintenant. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Oula. Au revoir. Il
Mais voilà, mais il va piquer mes pièces lui, hein. Ah non, mais j'y crois pas. Mais le iris, ce fourbe. Je vais vous piquer vos pièces moi aussi, hein. Vous vous prenez pour qui exactement? Oui. Ça fait mal ça. Ça fait mal. Je crois que je me sens très mal, les amis. Mais c'est pas possible ce monsieur. Monsieur. Iris. En plus, il va méga vite et tout là. Ah non, mais je suis désolée, moi je crie au scandale là. Je crie au scandale et quelqu'un à la fin m'a fait perdre toutes mes pièces. Et nous sommes pas derniers. C'est quand même. Bah, c'est la journée maintenant. Pas de chance, hein. Quel dommage d'avoir ces pièces en de mauvaises mains. La prochaine fois, je transporterai de fausses pièces. Bonne idée. J'affirme cette idée. Bon, nous y sommes presque. Bah voilà, beau dans une noire, moi j'ai la meuf, la lunette qui te manque. Fais-lui perdre. Non, je veux que tu lui fasses perdre sa lunette. À lui à côté. Mais il y avait Dr Eggman Nega, connu de personne dans ce monde. Ou pas. D'accord. Magnifique hymne de Londres. Il est 6h, ça veut dire tous en piste. Vous connaissez la chanson? J'ai vraiment hâte. Toujours mon parfum. Ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis plus forte que j'en ai l'air à ce jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand nous l'avons fait en vidéo. Au début, ce n'était pas très beau à voir. Mais c'est le livre d'images de Yoshi aussi. Il y a Yoshi, enfin voilà. Désolé, mais les nuages friables, c'est eux. Hein. Ouais, c'est eux. Ah bah voilà. Comme je vous le disais, ce n'était pas très. Bon. C'est pas Bowser Junior qui a gagné, rassurez-moi. Comme je vous le disais, je ne suis pas très douée à ce jeu. Mais en même temps, il faut que j'arrête que de pour essayer de me sauver, de faire des attaques au sol, ça ne marche dans aucun jeu. Faut arrêter. Si quelqu'un ne se dépêche pas de faire perdre ses lunettes à Bowser Jr., nous allons perdre le premier moment en folie. Dépêchez-vous les amis. Mais non, mais je te demande de les faire perdre à Bowser Jr. Non, faites-les perdre. Non. C'est la fin. C'est la fin les amis. C'est une belle aventure. Maintenant faut les terminer. Malheureusement. Quatrième. Presque, mais tu finis quatrième. Essaye de monter sur le podium au prochain coup. Sur le podium. Troisième. Tu as décroché, mais tu es quand même arrivé troisième. Essaye de faire mieux la prochaine fois. Deuxième. Tu es arrivé deuxième, mais tu étais si près d'arriver premier. Champion de Londres en folie. C'était serré, mais tu es quand même arrivé premier. Tu as réussi à t'accrocher. Je suis désolée, mais c'est un petit peu de la triche, moi je trouve, le fait que le monsieur méchant m'en fait perdre toute ma vignette à la fin. À la fin du début. Donc on gagne 5 cartes à gratter. C'est pas mal. Moi je trouve. Et j'ai reçu un message. Saute mouton, ça fait 3 fois que tu m'envoies ce ça fait 3 fois que tu m'envoies ce message. Donc allez, pour finir quand même sur une bonne note, on va faire un petit peu de mode bonus. Parce que on est quand même un peu triste hein, d'avoir perdu le premier Londres en folie. Mais nous aurons notre revanche. C'est pas mal ces chaussures moi je trouve. V. Musique de Sonic que nous n'avons pas. Bah bien. Des sandales des gens là. Les sandales des gens. Un gant. Et un gant, oui. Un gant de Big Cross bleu. Un casque noir.
Il y a un casque noir. Un homme noir, c'est un homme, oui, c'est le casque des chevaliers. Un casque avec des lunettes et un casque. Non, c'est pas un casque, ça par contre. Je sais pas trop ce que c'est. Désolé. Je suis sur Orange avec une musique de Sony. Non, ça n'a pas encore ensemble, je crois. C'est pas celle-là que je voulais gratter. Des gants écossais. Avec des gants roses, des gants écossais, carrément. Une musique de Sonic et. Une musique de Sonic! Misty Lake, Sonic et le chevalier noir. Donc, on va faire notre petit échange de cartes. Donc, déjà, on va finir d'acheter nos musiques. Terminé! Terminé! Donc on va acheter un petit truc avec ce qui nous reste. Bah, on va acheter ça, hein, le premier. Et voilà. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Enfin bref. Et bien voilà. Oui, fin de musique niveau 3. Terminé. Donc voilà. Donc j'espère que cette partie de l'Angelo Folie vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine partie de Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. A bientôt tout le monde.